bafouent ça, ils mettent ça sans dessus, c'est pas bien. Voilà, aujourd'hui, quand je sais pas, elle a parlé du rendez-vous, du donner, du recevoir. Quand nous, on va arriver, on va donner quoi? Une culture métissée, une culture à moitié debout, à moitié, tout ça, ça signifie quoi? Ya, ya, youpi, ya, youpi, ya, ya, youpi, youpi, ya, ya. Youpi, ya, ya, youpi, ya, ya, youpi. Ya, ya, youpi, youpi, ya. Il embrasse sa grand-mère en descendant. Il embrasse sa grand-mère en descendant. Il embrasse sa grand-mère, il embrasse sa grand-mère. Il embrasse sa grand-mère en descendant. Dagada, bouzou, bouzou, arre, arre. Pauvre blanc, oui, ça existe. Hein. Au niveau consulaire, les statistiques, tout ça, on n'a pas de cahier qui tienne compte de tout ça. Et c'est vrai que même pour un Camerounais, c'est... pour lui, ça ne sera pas normal. C'est mal ressenti. Un blanc qui tendra la main, quelque part, le Camerounais, je dirais, ne comprendra pas. Là, c'est pas possible. Ou alors il dira que fait la communauté là pour ne pas les aider, pour qu'ils n'aient pas à faire ça. C'est une image, pour lui, ça serait une image ternie. C'est un raté et il vient encore être raté ici. Moi, je ne peux pas tourner. Je préfère qu'il. Oui. Vous avez l'argent et je préfère qu'il. Donc, il faut accepter cette image-là aujourd'hui. Il faut l'assumer. Moi, je peux voir un blanc aujourd'hui pauvre, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que le blanc n'a pas. Il n'est pas supérieur à moi. Si on nous met dans les mêmes conditions. Je peux être aussi riche que lui, c'est tout. C'est pas dans l'habitude de voir quelqu'un en pleine journée comme ça qui parcourt une rue nue et sur une lampe allumée. Donc il s'apparente un peu au fou. Il dit qu'il cherche l'homme. Il cherche l'homme. Les Africains prennent conscience que mais voilà quelqu'un, voilà un blanc qui, c'est lui, paraît-il, a des conditions de vie meilleures, mais qui choisit de rester en Afrique. Pourquoi il choisit de rester en Afrique? Parce qu'il trouve quelque chose qu'il n'a pas là-bas. C'est quelque chose qu'il n'a pas là-bas. Ils ne sont pas rejetés, c'est une bonne chose. Pour l'Afrique et pour l'Europe d'ailleurs aussi. Ils font beaucoup, à mon avis, pour... Ils rendent un grand service aux Africains parce qu'ils contribuent, comme je l'ai dit, à briser ce mythe, là, ce mythe du blanc supérieur qui est par définition un être riche. Il n'y a pas de problème. Vivre comme un blanc, ça me plaît toujours pas. Ça me plaît pas. Je ne vois pas comment quelqu'un de normal, quelqu'un qui réfléchit vraiment, qui se gêne quand même du bien-être hein, d'une autre personne, quitte carrément de chez lui, il arrive, il dit bon, ça, ce verre, alors qu'il sait que vraiment c'est ce verre hein, qui fait en sorte que bon, son prochain puisse bien vivre, il dit bon, ce verre, je m'en parle de lui. Hein. Ah, et il sait très bien qu'en s'emparant de ce verre, il pousse l'autre à mal vivre, mais il le fait quand même. Pour moi, c'est un problème psychologique. Moi, je ne peux pas comprendre que nous ayons le bois. Le café, la banane, la bauxite, le tungstène, le wolfram, l'uranium, le pétrole, le diamant, l'or. Comment peux-tu être à la fois aussi riche et être en même temps aussi pauvre? Être à la fois aussi nanti et être en même temps un éternel assisté et un mendiant chronique? Expliquez-moi ça. Alors, jusqu'où et jusqu'à quand? C'est un problème épineux. On est
plutôt barge dans mon village. On cède encore volontiers son lit aux étrangers. Égare à quiconque déclare au canard rendez la mare et à César ce qui est à César. Le nombre d'enfants mulâtres n'arrête pas de croître depuis que le hasard nous a donné Blanchard. Les maris sont surpris mais contents de faire enfin des enfants blancs. Enfants presque blancs, pas immigrés, pas clandestins, adultérins, manne du destin. Mais Pierre-Louis Blanchard n'est pas une espèce rare. C'est un faux blanc, c'est un faux. Les tropiques en comptent des tonnes et nul ne s'en étonne. C'est un faux blanc, c'est un faux. Même le fou, son ami, un jour lui a dit: le blanc c'est le blé et on le fauche s'il est fauché. C'est un faux blanc, c'est un faux. Comme blanc c'est du toc, tout le monde s'en moque. C'est un faux blanc, c'est un faux. Mythe déchu, tribu déçue, papa cul nu, on tombe des nus. Faux blanc.